Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, pour faire suite à une question posée sur le forum, ouverture rapide d'un cylindre de marque SE, service étude, donc qui en fait est du TESA TE5. Donc le rocking avec un entraîneur placé en roue et un raclage en mouvement, on peut appeler rocking, qui permet une ouverture assez rapide sur ce modèle, qui est très difficile en goupille par goupille. Voilà. Donc là, j'ai fait la première face, hein, la deuxième face. Donc je l'ouvre sans sentier horaire, hein, parce que c'est ce qui me va mieux à la main. Bon, je vous montrerai à la fin que peu importe le sens dans lequel on l'ouvre, hein, on peut toujours retomber sur nos pattes pour le faire tourner dans l'autre sens. Donc là, l'autre face, alors l'entraînement est très léger et variable. Hein. On varie pression légère et très légère pour faire remonter les goupilles qui auraient été trop basses. Voilà. Donc on y va doucement, on relâche un peu, vous voyez que la tension est vraiment légère. Hein. Et donc, comme d'habitude, utilisation d'élastique, hein, si on veut que l'ouverture se fasse dans l'autre sens. Voilà. Bon, là, ça a bougé un peu, mais ça marche.